en forme. Au tout début de ma chaîne, je vous avais proposé une recette de pop cake, mais qu'il fallait faire dans une machine. Donc pour cela, il vous fallait la machine, les pics, l'électricité, la lumière, une table, un plan de travail. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose une recette simplifiée, sans cuisson, avec des pop cakes chocolatés et avec des M&M's. Allez, on y va, c'est parti! Et pour cette recette, il nous faudra un brownie que j'ai ici acheté en commerce, des M&M's, du chocolat, du mascarpone et des bâtons à sucettes. On commence alors par émietter le brownie dans un bol, puis on y ajoute 1 à 2 cuillères à soupe de mascarpone selon la taille de votre gâteau. Puis on prend une belle poignée de ce mélange, on vient former une petite boule que l'on creuse et dans laquelle on glisse 1 ou 2 M&M's, on referme le tout, on place nos petites boules sur un plateau et ça part au congélateur pour environ 30 minutes. On fait fondre le chocolat au micro-ondes et puis on récupère ensuite nos cake pops bien durcis, on trempe un bâton dans le chocolat et on vient les planter dans les cake pops. Ensuite, pour ne pas perdre la boule de nos pop cakes, on va venir assouplir le chocolat avec du Crisco, de l'huile végétale ou un petit peu de beurre. On récupère les cake pops du congélateur et on les trempe dans le chocolat. On les dépose sur une feuille de papier cuisson, on les parsème avec des paillettes alimentaires et ensuite on les laisse sécher à l'air libre ou au frigo pendant environ 15 minutes. Et voilà, les pop cakes chocolatés aux M&M sont terminés. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je vais vous dire en direct live si c'est bon. Oh, je perds la boule! Franchement, c'est super super bon, c'est hyper moelleux, hyper chocolaté et le petit croquant du M&M, c'est juste magnifique! Faites-les, goûtez-les, envoyez-moi les photos de vos réalisations sur mes réseaux sociaux et puis moi je vous fais une tonne de gros bisous chocolatés. Pensez à vous abonner à ma chaîne et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!